monde, c'est Léa et Antoine pour Réelle Supérette. Cette semaine, on va vous apprendre à coudre un col roulé dans un magnifique jersey de modal qui nous a été envoyé par Little Fabrics. Alors ce tissu, il est ouf, donc c'est du jersey, donc de base, c'est un tissu qui est fluide et agréable. Et en plus, il y a du modal dedans et c'est une matière qui est très douce. Genre le jersey, il y a un espèce de petit effet peau de pêche. Donc c'est un tissu super agréable à porter. C'est pas compliqué à coudre, pas plus que le jersey. Il y en a qui trouvent que le jersey c'est compliqué à coudre. Moi je trouve pas que c'est compliqué à coudre. Le seul truc c'est qu'il est un petit peu fragile. On a quelques accros sur le vêtement et on n'a pas fait moins attention que d'autres tissus. Donc on dirait que c'est un tissu un petit peu fragile. On fait des gros bisous à Camille qui a posé pour nous dans cette vidéo. Au début il était pas chaud mais on lui a mis un peu une disquette. En vrai c'est pas nous qui lui avons mis une disquette, c'est Léa qui a fait ça bien tout seul. Et finalement il a fini par poser pour nous et ça s'est super bien passé, donc merci Camille à toi. Et on veut aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que comme vous êtes pas mal à nous poser des questions en commentaire ou en message privé, on a décidé de faire une vidéo FAQ en cadeau de Noël parce que vous êtes des abonnés très très sages. Du coup on a fait un post Instagram et un post Facebook sous lesquels vous pourrez commenter et laisser vos questions et on essaiera d'y répondre dans cette vidéo. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, bienvenue sur Réelle Supérette, on est une chaîne de couture si vous l'avez pas remarqué. On vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et on vous laisse avec le direct. Et on vous laisse avec le tuto. On poste une vidéo chaque semaine. Voilà, on vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser ce petit col roulé, il vous faudra environ 1m50 de jersey et un petit t-shirt à vous qui vous va bien. Un t-shirt à manches longues, c'est mieux, mais nous, on l'a fait avec un t-shirt à manches courtes. Voilà. On commence par découper un devant et pour ça on plie notre t-shirt en deux sur notre tissu plié en deux. On fait correspondre les deux pliures et on va venir découper tout autour 1 cm. Et une fois que notre devant est découpé, on se sert de celui-ci pour découper un dos de la même manière sur notre tissu plié en deux. Ensuite sur le devant, on vient approfondir légèrement le col, mais pas trop, on veut que notre encolure reste bien ras du cou. Ensuite on vient découper une paire de manches avec la même technique. Si vous utilisez un t-shirt à manches courtes, il suffira d'allonger la manche. On épingle pour que ça tienne bien, si vous nous suivez, vous savez comment on fait. Et pour le bas de notre manche longue, nous on a utilisé une largeur de 11 cm. Voilà. Donc à ce stade-là, on devrait se retrouver avec un dos, un devant et deux manches. Pour la suite, c'est assez facile. On vient assembler le dos et le devant endroit contre endroit au niveau des épaules. Et pour ça, on utilise un point zigzag pour que notre couture reste extensible ou un point overlock. Assembler les manches, toujours endroit contre endroit. On fait correspondre le milieu des manches avec la couture d'épaule et on épingle tout le long. Une fois que les manches sont assemblées, vous assemblez les côtés en faisant correspondre les coutures des dessous de bras. Vous partez de cette couture-là et vous assemblez les manches et ensuite vous repartez de cette couture-là et vous assemblez tout le côté du top. Si vous avez un doute sur la technique à employer, on vous donne rendez-vous sur cette vidéo, la vidéo du t-shirt, où on l'explique de manière tout à fait compréhensible. On commence par mesurer notre encolure et on enlève 20% à cette mesure. Pour enlever 20%, une mesure, il faut le multiplier par 0,8. Et vous venez reporter la mesure ainsi obtenue sur la lèse de notre tissu. Alors la lèse, c'est ce qui est perpendiculaire au droit fil. En gros, on vient reporter cette mesure sur le côté élastique de notre jersey. Si votre jersey est élastique dans les deux sens, ce qui n'était pas notre cas, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec le droit fil et la lèse. Mais nous, au début, on avait découpé notre col roulé dans l'autre sens et c'était impossible à enfiler. Donc sur la lèse, on a le tour de notre col et sur le côté lisière, dans le sens du droit fil, on va venir marquer la hauteur de notre col à 36 cm. Une fois qu'on a découpé notre col, on vient assembler les deux hauteurs, les deux côtés qui font 36 cm, ensemble, endroit contre endroit, avec un point extensible. Quand c'est cousu, on vient former notre col roulé en faisant correspondre les deux extrémités de notre couture. Et le col roulé se forme devant vos yeux ébahis. Et on va passer à l'assemblage. Et pour ça, on a une petite astuce. On vient épingler le dos de notre col, là où il y a la couture, avec une épingle verte. Et le devant de notre col avec une épingle orange. Et on fait la même chose sur l'encolure du top. Une épingle verte sur le dos, une épingle orange sur le devant. On place le col devant l'encolure du top. On va venir enfiler notre petite mimine à travers le col. On vient choper le top et on lui fait traverser le col. Et ensuite, il va falloir faire correspondre les deux petites épingles de même couleur.
On répartit le reste du col autour de l'encolure de manière uniforme, voilà, c'est le mot que je cherche, avec d'autres épingles. Et on va venir assembler le tout avec un point extensible à 1 cm, donc un point zigzag ou un point overlock, sur tout le tour de l'encolure. Pour les ourlets du bas du manche et du bas du t-shirt à col roulé, pour les ourlets de... c'est la dernière phrase, hein. Pour les ourlets du bas des manches et du bas du top, on est venu faire deux petits replis de 1 cm qu'on a fixés avec un point zigzag. Si vous avez une aiguille jumelée, vous pouvez très bien l'utiliser. Nous, on n'avait pas de bobine de fil qui matchait. Et votre t-shirt à manches longues, col roulé, turtleneck, est fini. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez cliquer sur un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de faire les petites fouines, vous pouvez venir nous suivre sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer le résultat de vos créations sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, hein, pour ne rater aucune vidéo. Et en attendant, la semaine prochaine, moi et Léa, on vous fait des gros bisous. Des gros bisous d'amour. Si tu mets ça, Léa, je te tue.